Et enfin, il y a une deuxième chambre. Alors, cette troisième chambre, c'est la chambre montagne. Elle est dédiée à mon métier d'accompagnateur en montagne. Nous l'avons décorée avec un fauteuil qui vient du Kera et quelques photos de raid, avec notamment une bibliothèque, notamment quasiment les trois quarts des bouquins qui sont des éditions Guérin. Et puis ici, une décoration avec nos voyages que nous avons fait en montagne. Et puis ici, une décoration avec des photos qui ont été faites lors d'un raid, un tour des écrins que j'avais fait avec des clients à l'époque à l'UCPA. Évidemment, il y a le rôle des accompagnateurs en montagne qui est fait aussi ici. Vous reconnaîtrez Marmottard Marmotta, l'animal emblématique. Cette chambre est exposée plein ouest, avec une magnifique vue sur le potager participatif des élèves de l'école de ma femme. Voilà, vous remarquerez aussi